Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lespol et River. Et bonjour. Et Lespol en pleine forme aujourd'hui va nous présenter Torchlight 2 sur PC, un test dont il a entendu parler, hein, sur les forums notamment et tout. Oui, un peu. Tu l'as bien senti passer celui-là. Non, ça a été. Un jeu de rôle action sorti le 20 septembre dernier. Un hack and slash pour être plus exact. Un jeu de rôle action édité et développé par Runic Games, déconseillé au moins de 12 ans. C'est en téléchargement, donc pour ceux que ça intéresse. Ouais. Je sais pas si une version boîte est prévue ou au programme. J'avoue que je ne sais pas trop, nous on l'a pris sur Steam. Oui. Bon, je peux préciser le prix tout de suite, d'ailleurs il est à 18,99€ il me semble, donc c'est et pas très cher. Et en plus c'est précis, c'est ça que j'aime chez toi, les spoils. Ouais. C'est ta précision légendaire. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu peux être précis aussi en jouant? Parce que des fois tu meurs un peu trop vite. Non, je vais essayer de pas mourir. Normalement, je me suis mis dans un mode de difficulté assez facile. Donc, normalement, c'est une promenade de santé. Donc, normalement, ça devrait aller. Et bien, espérons-le, c'est parti. Je te laisse présenter ce jeu. Bah, d'ailleurs, en parlant des difficultés, des modes de difficulté, je vais commencer par ça. Donc, j'y suis. Hein. Il y en a 4 accessibles directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les débloquer. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui, dans Diablo 3, parce qu'évidemment, le jeu est comparé à Diablo 3. Ah, il t'a cité Diablo 3. Faut pas, c'est une erreur. Non, faut pas. Non, je sais qu'il y a quelques personnes voilà, qui se plaignaient parce que dans Diablo 3 on était obligé de commencer le jeu en difficulté minimale quasiment pour débloquer les autres. C'était pas forcément passionnant, les débuts du jeu justement étaient un peu mous à cause de ça. Là c'est sympa, on peut choisir directement la difficulté, donc il y en a 4, il y a casual, normal, vétéran, élite. Oui. En sachant qu'il y a une option en plus après qui se débloque, enfin qui se débloque, non, qui peut être activée, qui est une option hardcore, c'est-à-dire avec en fait une mort définitive. Pas mal ça. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui veulent de la difficulté. Ah, oui, alors bon, je l'ai déjà dit, les modes casual et normal, honnêtement, c'est vraiment une promenade de santé, hein. On meurt jamais. Mm-hmm. Donc c'est pas super passionnant. Par contre, honnêtement, le mode vétéran, moi j'ai joué en vétéran dès ma première partie. Je conseille à tout le monde de faire pareil parce que voilà, il y a un certain challenge. On meurt de temps en temps, donc c'est plutôt sympathique. D'accord. Voilà. Alors ceci étant, au niveau du scénario. On se reprend un peu la suite du premier évidemment, sauf que bon honnêtement voilà, le but c'est de suivre un méchant alchimiste qui est méchant et puis en gros c'est ça. Et alchimiste. Et alchimiste. Le but c'est de le poursuivre. Ah mais en plus c'est ton truc toi l'alchimie. Non pas du tout, moi c'est la chimie. Ah pardon, je comprends souvent. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, le but c'est... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, je vais me planter de touche pour... je veux prendre une potion et ça marche pas. Eh oui, mais un week-end est passé entre le moment où t'as testé le jeu c'est et... Ça. Non, c'est simplement que mes doigts étaient pas mal placés sur le clavier. Bon, c'est pas d'accord. Grave. Donc en fait, ouais, ce scénario il est carrément anecdotique. En fait, le but c'est simplement de poursuivre le méchant et puis de tuer tout ce qui passe sur le passage. Honnêtement, c'est vraiment pas super passionnant à suivre. C'était déjà un problème du premier, donc à ce niveau-là, on aurait aimé un peu plus de recherche. Ouais. C'est pas le cas. Bon. C'est bon ou il y a un familier qui t'accompagne? Il y a un pet, ouais, alors c'était la spécificité un peu du premier épisode, c'était vraiment sympa, dans la mesure où il pouvait servir de mule, et il pouvait ramener, quand on avait, parce qu'en fait on a un loot assez riche, en fait il pouvait ramener, par exemple, je vais vous montrer, par exemple, j'ai déjà pas mal de choses dans mon inventaire. Bon, je peux pas toutes les porter parce qu'il y en a qui doivent être identifiées. Ça, c'est exactement comme le premier épisode. C'est très Diablo aussi dans l'esprit. Ouais. Voilà, il y a des objets qui sont rares. Donc, tour en bleu, il y a des objets magiques. Il y a vraiment un loot super riche. Et honnêtement, c'est vraiment la force du titre. J'y reviendrai peut-être un peu plus précisément après. Alors, donc, le loot est super riche. Et pour s'y retrouver un peu plus, mais voilà, on va pouvoir donner des choses qui nous intéressent pas forcément à notre chien. Mais par exemple, je sais pas si cette. Que tu as appelé Exterminator. Oui, il est classe, hein. Alors juste, je vais préciser, il y avait 4 types de pets. De familiers, sinon. De familiers, voilà. Dans le premier opus, là, il y en a 8, avec des animaux volants. Ah, donc, pas mal. Ça peut être sympa. Voilà, moi, j'ai choisi celui-là, que j'ai trouvé très mignon, qui est fait selon, je crois, l'animal d'un des créateurs du jeu. Donc, ah, pour la ça, petite ça, histoire. D'accord. Voilà, donc, en fait, ouais, il va pouvoir ramener... Bon, alors, je vais mettre celui-là, par exemple. Et celui-ci, hop, je l'enlève. J'ai peut-être fait une bêtise, mais c'est pas grave. Et ben voilà, il va pouvoir ramener ça à la ville la plus proche et le vendre directement pour moi. Ça évite de faire des allers-retours qui peuvent être un peu rébarbatifs. Ah, c'est un chien intelligent en plus. Ouais, et maintenant par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir faire des listes de courses. Oh, je sais même plus où c'est, voilà, c'est ça. On va pouvoir lui demander par exemple d'acheter des potions. Par exemple, bon, ça fait un peu beaucoup, mais je peux lui dire de revenir avec des potions, de la dynamite, quelques items comme ça. Ça évite de faire le ça, retour à vide. C'est sympa ça. Et ça évite, c'est pareil, de s'embêter à aller en ville tout le temps. Mm-hmm. C'est vraiment sympa. C'était quelque chose qu'on avait dit dans le premier opus parce qu'il pouvait déjà aller vendre les objets, mais il ne pouvait pas ramener, donc c'était un peu dommage. Là, ça a été ajouté, donc c'est sympa. Ça a été fait. C'est un peu du fan service, mais franchement, c'est agréable. Oui, mais je pense que tout le monde s'y retrouve quand même. Hein. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Bon, allez, hop, par exemple, là, je vais l'envoyer en ville. C'est inutile, mais bon, par exemple, tu vois, je le perds pendant une minute. D'accord. Voilà. Et donc la minute, enfin le temps qu'il va mettre pour aller et revenir dépend de ce que tu lui demandes ou... Dépend de la distance à la ville tout simplement. Ok. Voilà. Après bon, on retrouve des systèmes qui étaient déjà dans le premier, par exemple la pêche, qui était dans Diablo 2 aussi il me semble. La pêche qui permet bah, de voilà de pêcher des poissons. Alors, évidemment. Le mec il se frite et puis paf, il balance une canne à pêche et tout. Hop, j'ai eu. Et voilà, donc le poisson on va pouvoir le donner à notre animal qui va pouvoir se transformer en des petites bestioles sympathiques. D'accord. Voilà, donc j'ai parlé aussi donc, du système de loot qui est super riche. Bon, on retrouve évidemment, on peut toujours ramasser l'or en marchant dessus, ce qui est pratique. Mm-hmm. Ce qui était une nouveauté du premier aussi. On va voir, hein, pour l'instant ça se remarque peut-être déjà un petit peu. C'est plus du fanservice par rapport au premier qu'un vrai nouveau jeu avec plein de fonctionnalités en plus. En fait, ils ont corrigé les défauts du premier. Ouais. Donc tout ce qui avait été un peu ciblé par la critique et par les joueurs a été modifié. Alors aussi bien au niveau du gameplay que des modes de jeu. Alors j'y reviendrai aussi tout à l'heure. On reprochait aussi au premier un petit peu d'être assez étriqué dans ces environnements. On avait des environnements souvent, bah, trois quarts du temps, tout le temps, même quasiment souterrain. Maintenant on a des environnements extérieurs un peu plus grands, même beaucoup plus vastes, toujours générés aléatoirement. Ouais. C'est-à-dire que sur chaque partie, il ne sera jamais les mêmes environnements qu'on va visiter. Ouais. Donc là, par exemple, je peux vous montrer ça. Bon, là, je ne l'ai vraiment pas exploré. Mais c'est des zones très très vastes. Ce n'est pas des couloirs comme on pouvait avoir avant. C'est vraiment sympa. Et ça regorge de pièges, de bah, on voit un piège ici. De zones cachées, de guet-apens comme ça. C'est pareil, on va avoir des ennemis qui sortent d'un peu partout. C'était déjà le cas dans le premier, c'était sympa. Là, c'est de retour, évidemment. Et donc ça regorge d'ennemis qui sont générés aléatoirement, de loot qui est aussi généré aléatoirement quand on tue les ennemis, de pièges, d'endroits secrets avec des coffres mais remplis de choses très très sympathiques. Ah, les thunes, t'aimes ça les thunes, hein ? J'aime les thunes, oui, exactement. Et donc ben voilà, j'ai montré déjà par exemple un petit peu le loot tout à l'heure. Je peux montrer aussi l'évolution de personnage, j'ai pas attribué mes points volontairement. Oh, c'est bien pour le gaming live. Voilà. Oh, c'est sympa. Bah, en plus, je level up pile au moment où je dis ça. Bon, on retrouve évidemment ce qui fait c'est la spécificité des hack and slash. Généralement, voilà, on peut augmenter la force de notre héros, sa dextérité, sa concentration, sa vitalité. Bon, c'est du classique à ce niveau-là. Bon, moi, je suis un gros bourrin. Ça m'étonne pas, c'est bizarre. Vitalité, hein, comme quand même. Quoi. Voilà. Hop, je peux améliorer ça. Et après, j'ai toujours 3 arbres de compétences propres par classe. C'est-à-dire qu'il y a 4 classes. Ouais. Le berserker, un qui va être plutôt magicien, un qui va être plutôt qui va se battre avec des armes à feu. Mmh. Le berserker dont je l'ai dit qui fait du combat au corps à corps, et le quatrième qui est je sais plus le mage, le soigneur, c'est pas grave. Bon, c'est du le classique sniper. C'est du classique, mais bon, il y a une classe en plus que dans le premier, donc c'est plutôt sympa. Ça, en sachant que les classes se jouent vraiment extrêmement différemment, justement grâce à ces arbres de compétences. Là par exemple, on voit sur le berserker, je peux favoriser des attaques bah, brutales, un peu bah, voilà, de chasseurs, ils appellent ça. Tiens, donc, si ça te dit, juste petite parenthèse, j'ai les classes sous les yeux. Ouais. Berserker, ingénieur, outlander, ah, bah, l'ingénieur, et voilà. Ambernage. Ambermage, voilà, c'est mage, tout simplement. Voilà, donc là j'ai vu le loup qui est cette spécificité là, mais par exemple, moi j'avais choisi de me spécialiser là-dedans. Mais après, on va avoir 3 autres arbres. Donc par exemple là pour se spécialiser dans les dégâts de glace, on peut faire vraiment le héros qu'on veut en sachant que le loot est encore une fois très 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 riche, donc on peut changer bah, quasiment tout, enfin voilà, on voit toutes les pièces d'armure, les armes, les boucliers, bon c'est encore une fois classique mais c'est super riche, beaucoup plus que Diablo 3. Ah ben au moins ça se rapproche d'ailleurs à ce niveau-là beaucoup plus d'un Diablo 2. Pour d'accord, ceux qui recherchaient un système comme ça. Et ça procure au jeu une excellente rejouabilité. Alors couplé aux environnements généraux aléatoirement vastes à explorer, avec cette grande spécialisation des classes, ce loot très riche et cette personnalisation extrême, voilà, en fait chaque partie va être différente et c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et c'est notamment ce qui justifie le 17 sur 20 puisque exactement. Le jeu a reçu une excellente note. Voilà, malgré l'aspect un peu mis à jour, il reste exceptionnel et voilà, il y a eu du fanservice aussi bien, donc j'ai dit au niveau du gameplay, que des modes de jeu parce qu'il y avait un gros absent du premier épisode, c'était les modes multijoueurs. Ouais. Que les joueurs réclamaient à corps et à cri. Et donc, bah, y a un mode multijoueur dans ce second opus. Alors, c'est du classique, c'est de la coopération en fait, tout simplement. Il n'y a pas de PVP, mais bon, peu importe. C'est déjà. L'idée est là, voilà, on peut jouer aussi bien en LAN qu'en ligne.
Sur la même map. Après, bon, il y a quelques petites choses sympathiques. Par exemple, un loot exclusif à chaque protagoniste. Ça évite que, qu'on vole tout simplement les objets de l'adversaire, enfin de ses alliés. On sait que tu fais beaucoup. Ce qui peut être un peu frustrant des fois. Donc là, voilà, c'est plutôt sympa. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bon, écoute, non, pas grand chose d'autre comme ça. T'es pas mort, c'est bizarre quand même. Non, mais c'est normal. Franchement, je vous déconseille honnêtement de commencer par le mode ne serait-ce que normal. Commencez au moins par le mode vétéran qui lui saura vous réserver un petit peu de challenge. Très bien. Voilà. C'est un conseil que nous ne suivrons pas. Je plaisante, bien sûr. Merci, Les Paul. C'est toujours de bons conseils de toute façon. Personne n'est jamais déçu par toi. Bon, Torchlight 2, 17 sur 20, c'est un très 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 bon titre. Ouais. Alors là, vous pouvez craquer sans aucun risque. Et il est pas très cher en plus. Et d'ailleurs, même je pense que ceux qui n'ont pas fait le premier peuvent directement commencer par celui-là. Oui, parce que comme j'ai dit, le scénario honnêtement est anecdotique. Voilà. Donc franchement, vous ratez pas forcément grand-chose. Voilà, ça c'est dit. Merci à vous. À très très vite sur le site. Ciao. Salut.